Ça y est, on y est. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 35, l'épisode final de la saison 1 de WR. Sur la WWE Raw versus SmackDown, c'est WrestleMania, on y est enfin. Les trois derniers épisodes étaient chiants, je sais. Mais ça y est, on est enfin à WrestleMania. Pré-show, Pete Dunne affronte Adam Cole dans un ladder match. Oui, j'ai viré Ricochet, j'ai viré Stardust, parce que finalement, la meilleure combinaison, c'est eux deux. Et la preuve, ils font 90, ce qui est monstrueux, c'est génial. Déjà, j'ai pas le bad day syndrome, du coup, ça me rassure. C'est super. Pete Dunne conserve son titre Cruiserweight. Oui, j'avais pas changé tous les titres non plus, juste histoire de changer les titres. Ça commence très bien. Alors, c'est le pré-show. Compte pas dans la note générale pour Oro, ça, mais ça commence très bien. Trevor Lee et Andrew Everett affrontent Johnny Gargano et Daniel Bryan, qui conservent leur titre par équipe. Oui, j'allais pas changer non plus, parce que, bof, Bryan est over, donc j'ai pas envie qu'ils perdent, et puis on s'en fout, voilà. Enfin, c'est un peu un titre SmackDown, et puis de toute façon, ouais, on va pas se mentir, on s'en fout de qui gagne, parce que de toute façon, après, il y a la draft et tous les tours vont changer. Donc, quoi qu'il en soit, Bryan gagne de l'Overness, Johnny Gargano en gagne aussi, Trevor Lee en gagne, Andrew Everett en gagne, les titres par équipe gagnent en image. Hop, c'est rangé. 91 d'overall rating, c'est super. Fin de feud en pinacle, hein, maximum énorme. C'est très bien. Je crois que le match suivant, c'est à moi. Asuka affronte Charlotte Flair, 91, ah, me tape pas du 92 à un moment, bon c'est pas grave, ça défonce, et bien sûr, nouvelle championne de SmackDown, ah bah oui, c'est ma catcheuse préférée, j'allais pas finir l'année sans qu'elle soit championne, quand même, Charlotte Flair redevient championne de SmackDown, comme elle l'avait été, au tout début, rappelez-vous, je crois dès la deuxième semaine de booking, je crois, même l'épisode 1, je crois dès l'épisode 1, Carmella avait perdu son... Oui, parce que j'ai commencé avec Carmella championne. Carmella avait perdu son titre aux mains de Charlotte Flair, et c'est Charlotte qui m'avait lancé ma première feud. C'était Charlotte Becky, je crois... Je sais plus. En tout cas, c'était ma première feud, et c'était Charlotte, ma première championne, et en tout cas, elle redevient championne. La boucle est bouclée. Pas vraiment, la boucle. Pour que la boucle soit bouclée, il faudrait que Carmella gagne au SmackDown juste après WrestleMania. Non, je vais pas faire ça. Quoi qu'il en soit. 91 d'overrating, c'est super. Les deux gagnent de l'Overness, ce qui est logique après une feud bien bookée, comme j'ai pu le faire. Et Charlotte, donc, remporte. Parce que moi, j'aime bien quand le vainqueur du Rumble gagne le titre. J'aime bien, parce que je trouve ça très con de faire gagner le Rumble à un mec pour pas qu'il gagne le titre, quoi. Sauf si c'est juste pour faire une belle feud, mais... Sasha Banks affronte Kairi Sane. Oui, 92, ah, je suis content. Je suis content parce que 92, c'est un petit peu au-dessus. Kairi Sane gagne de l'Overness. Apparemment, Sasha Banks n'en gagne pas, mais je pense qu'elle va en gagner quand même. Le Raw Women's gagne en image. Ça fait 92, c'est un petit peu mieux que SmackDown, du coup, ça me fait plaisir. Et Sasha Banks conserve son titre, évidemment. Ça a été ma championne depuis... Je crois le mois d'octobre, c'est marqué. C'est-à-dire, au départ, j'avais... J'avais qui au départ? J'avais... Mais je devais avoir Nia Jax en fait au tout début. Quand j'ai commencé, je devais avoir Nia Jax. Ouais, ça. Je lui ai fait perdre le titre très vite contre Alexa Bliss. Comme ça, je me suis servi d'Alexa Bliss et Ronda Rousey au début, le temps de faire monter Sasha Banks Bayley. Ensuite, Bayley l'a gagné grâce au Money in the Bank. Donc Bayley m'a fait ma championne pendant quelques mois. Et puis depuis le mois d'octobre, c'est Sasha Banks. Et ça a été la meilleure depuis le début. Je l'ai jamais fait pour son titre parce que. Elle est monstrueuse, elle est géniale. Je n'allais pas encore la faire paumer titre maintenant qu'elle a tourné face, c'était super. Elle est géniale, tout le monde l'adore. Hein, donc ça fait 92, c'est parfait. Et pas de nouvelle championne, bien sûr. Voilà, on garde notre Sasha Banks. Bon, le moins bon match de la soirée pour l'instant. Un peu de déception. 89, c'est moins bien que Pete Dunne Adam Cole. No Fear, donc Roman Reigns et... Bray Wyatt perdent les titres par équipe aux mains de Sami Zayn et Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui devient lui aussi double fois champion par équipe, mais avec deux partenaires différents. Voilà, Ziggler l'a été avec
McIntyre, et là il est avec Zayn, qui a fait un double aussi. Bah, Reigns l'a été avec Rollins et Wyatt. Wyatt l'a été avec Reigns et Matt Hardy. Matt Hardy l'a été avec Wyatt et Jeff Hardy, qui a été double aussi. Johnny Gargano l'a été avec Tommaso Ciampa et Daniel Bryan. Voilà, il y a plusieurs fois, j'ai changé les équipes comme ça. Ça fait des doubles champions, j'aime bien. Du coup, Dolph Ziggler l'aide. Tout le monde gagne de l'overness de fin de cette feud. Mais je suis un tout petit peu déçu du match. J'aurais préféré qu'il me fasse 90, tu vois. Voilà, j'aurais aimé qu'il gratte ce 90. Je suis un petit peu déçu, mais tant pis. Tant pis, oh, c'est un détail, c'est un détail. Allez. 87, bon, bah, le moins bon match de la soirée, fallait s'en douter. De toute façon, Last Man Standing, ça a pas gonflé du tout les stats, fallait s'en douter que ce serait le match le moins bien. Parce que ça clique pas entre les deux. 87, bon, ça va encore, 87, ça va. J'espère que les Main Event vont rattraper l'affaire. Parce que ça me ferait quand même chier que WrestleMania soit moins bien que TLC, tu vois. Shinsuke a perdu l'overness de ce match, Aleister Black en a gagné, bah bon. Mais après, à la fin de la feud, les deux en ont gagné, et le titre intercontinental regagne en image, ouais, pourquoi pas, ça fait 87, c'est pas dingue. Aleister Black conserve son titre intercontinental. Pourquoi? Parce que Shinsuke, il me saoule avec son moral, donc quoique, si je lui avais donné le titre, il aurait peut-être regagné le sourire, mais bon, il m'a saoulé, de toute façon. Voilà, et puis, c'est tout. Voilà, c'est tout, on va s'arrêter là pour le titre inter, parce que moi, je... Fin du Best of 7 Hardcore Match. Malheureusement, j'aurais aimé que le Hardcore Match fasse péter tout. Drew McIntyre devient le nouveau champion des États-Unis puisqu'il gagne le Best of 7, 4-3. Mais pourquoi j'ai aucun message comme quoi la feud est terminée? Me dis pas que j'ai oublié de finir la feud quand même. D'accord, alors, oh, rien n'est écrit. Absolument rien n'est écrit. Est-ce que McIntyre a gagné l'overness de la fin de la feud ou quoi? J'ai aucune idée. Ça fait peur. Ça fait peur. J'espère qu'il ne s'est rien passé de grave au niveau de l'overness, mais bon, bah la feud est finie, le match est génial. Meilleur match de la soirée pour l'instant? Oui, je crois. Et ça reste le meilleur match de la soirée. Neville et Seth Rollins s'affrontent. Seth Rollins devient le nouveau champion universel. Voilà, je retournais la balance. Je me plaignais l'autre fois qu'il n'y avait que des faces. Bah là, j'aurais mis deux faces. Et j'ai juste mis un heal. Bon, c'est bien. 92, ça fait... C'est bizarre, ça ne clique pas entre les deux. Ça fait 85 seulement, c'est... Dommage. Neville a gagné de l'Overness fin de cette feud. Apparemment, Seth Rollins, non. Faudra voir. Quoi qu'il en soit, Seth Rollins est mon nouveau champion. C'est pas le meilleur match de la soirée. Pour l'instant, le meilleur match de la soirée, c'est Drew McIntyre contre Kevin Owens. Il reste un seul match à la carte. Voilà. Ça n'a pas été le main event de WrestleMania, parce que pour moi, quand tu gagnes le Rumble, bah, tu vas dans le main event, logiquement. Donc, pour le main event, j'ai laissé ça. Le meilleur match de la soirée, c'est ici, cherchez pas, Cesaro contre Tommaso Ciampa, 97 d'overall rating, c'est énorme. Cesaro gagne de la feud à la fin de cette feud, de l'overness à la fin de cette feud, apparemment Tommaso non, on verra. Meilleur match de la soirée, 97, c'est Tommaso Ciampa contre Cesaro, Tommaso qui devient mon nouveau champion de la WWE. Ah, merci bien. Il était temps quand même pour le bonhomme hein, qui est parti de très loin, qui a fait la meilleure progression puisqu'il allait taper le sens que peu de gens ont fait. Les seuls qui ont tapé le sens, c'est Kevin Owens, John Cena, bon il l'avait déjà, je crois que Cesaro l'a tapé légèrement à un moment, mais enfin, en tout cas c'est le seul à être resté à 100 avec Kevin Owens, donc il mérite le main event et il mérite la victoire. 93 pour WrestleMania, je me souviens plus de TLC. Yes, ça y est, mon pari est réussi. Alors on va aller voir, je me souviens plus de TLC. TLC, Royal Rumble, Clash of Champions, ça doit être là. TLC, ah non, il y a les séries. J'ai fait TLC avant, ah oui. 91, mon record de show c'était 91 avec TLC. Et grâce à Tommaso Ciampa notamment, hein, mon meilleur show ever, c'était WrestleMania. Yes!
Merci. Voilà, super. Le moins bon match de la soirée étant Aleister Black, Shinsuke Nakamura, mais compensé par le meilleur match de la soirée, Cesaro contre Thomas Uchempa. Voilà. Imagine ce truc en vrai, quoi. Mais ce serait le show énorme, énorme. Bon, après que des 5 étoiles tout le temps, ça fatigue. Hein. T'es là, t'es fou. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Il y a des gens. Hein. Alors, hashtag Jab, ils sont contents. Ok. Charlotte, elle est contente. Sasha Banks, elle est contente. Reigns et Wyatt, c'est une bonne équipe. Les révoltés sont contents. Aleister Black est content. Tom McIntyre est content. Seth Rollins est content. Tous ceux qui ont gagné, quoi. Ciampa est content. Jinder Mahal veut Shadley. Waouh, super idée, Jinder. Harper veut Sheamus. Ça, j'avais vu que vous étiez bon. Et ça fait 1,87. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Toutes les feuds sont finies, donc ça va. McIntyre, c'est bel et bien fini. Un petit point sur les résultats. Aleister Black est à 88, ce qui est désastreux. Hein. Le mec a gagné que 5 points d'overness. Il est encore moins over qu'avant le début de la feud. C'est une cata. Et d'ailleurs, il est démoucte. Parce que il fait la gueule ou bien? Non bon, voilà. Il fait la gueule ou bien? Non, ça va. Et bah oui, t'es obligé d'être démoute parce que t'es plus main eventer. Quoi. Après, qui? Il y avait Andrew Everett a gagné 2 points d'overness seulement. Super, cette photo, faut que je la change, il est tout jaune. Asuka, 93, ouais, bon. Elle avait 95 avant le début de la feud, donc c'était. Voilà, ça n'a pas été dingue, tant pis. Tant pis, tant pis. Bailey, non, bah pourquoi Bailey? Voilà, Strowman, Wyatt, 97, il va pas taper le 100, malheureusement, mais bon, ça reste un gars très solide. Hein. 97, c'est quand même pas dégueu, après. Cesaro. C'est désolant. Ah bah alors là, c'est désolant que Cesaro n'ait que 93 après ce qu'il a fait. Bah, tant pis. Tant pis, hein. De toute façon, il reste main eventer. Voilà, c'est quand même un beau pari d'avoir mis Cesaro main eventer, mais bon. Tant pis. Après, Charlotte, 92. Voilà, elle vient rejoindre Asuka. C'est très bien pour elle, c'est cool. Du coup, elle est main eventer. Hop, pas de soucis. C'est bien. Après, on a quoi? On a... Daniel Bryan, 93, voilà. Ça a été une longue année pour Bryan. Hein. Ça a été une très longue année entre le début avec AJ Styles où ça a été pourri, il a perdu plein de points d'overness, il était ridiculement bas pour Bryan quand même. Et là, il repasse dans le main event, c'est quand même... Voilà. C'est une belle récompense pour ça. Une année difficile pour lui quand même. Mais bon... Ziggler, 92, bien, Ziggler se rejoint le main event, ça c'est important, hein, les points pris juste à la toute fin, puisque faut pas oublier qu'il y aura la draft, et que dans la draft, bah, du coup, Ziggler il va compter, puisque 92 c'est quand même pas dégueu. On a McIntyre, 100, voilà. Cherchez pas, ce sera un des premiers gars choisis, parce que dans la draft, tu commences toujours par prendre le mec le plus over, non, McIntyre est à 100, super. Ember Moon, Enzo Amore, Eva Marie, je m'en suis pas servi, mais quand même. Torres, nanana, tété. Enson aussi, faudra que je l'amène main roster parce que. Jason Jordan, Jeff Hardy, non, mais il y a trop de gens. Trop de gens. Gargano qui fait le 87, bonne upper mid card, c'est bien. C'est bien pour lui. Cassius Ohno, j'ai pas. Kevin Owens, il est resté à 100, c'est parfait. C'est parfait. Kylian Denko, Norkurt Angle, Lana, nanana, Marie, Neville, 96, et voilà, ça veut pas. Là, j'aurais fait tout mon possible pour foutre Neville à 100. Je crois que j'ai réussi une semaine, même pas, puis après il a paumé des points. Bon, déjà d'avoir mis Neville à 96, c'est une perf. Donc voilà, je suis déjà content d'avoir fait ça. Page, Paul... Ah, j'ai pas vu Kerry Sane, tiens. Bah, je suis passé devant. 85. Un désastre. Un désastre. Quand elle a tourné heel, elle avait 95, elle finit la feud à 85. C'est une cata. C'est une cata. C'est dommage. Tant pis, hein, tant pis, qu'est-ce que tu veux. Enfin, c'est quand même bien pour elle, mais bon, t'es plus main eventer, d'ailleurs. Allez, casse-toi. Après, Piden, bah, il a pas de feud. Rico non plus. Reigns, 93. Bon, bah,
solide. Hein. Reigns, il a toujours oscillé entre 80... 80... Il a toujours été au-dessus de 90, entre 91 et 97. Il a tourné un peu comme ça. C'est triste pour lui de finir en équipe, quoi. Même pas, il finit avec un titre, mais tant pis. Après, qu'est-ce qu'on... Zayn, qui rejoint donc le main event. Bien joué pour toi, Zayn. Zayn aussi qui vient de loin, je m'en suis pas servi longtemps. Au début, c'était pour le titre intercontinental, mais il s'est blessé comme un con. Il y avait des problèmes en plus d'alcool et tout, et je l'ai pas envoyé en rehab, enfin, c'était un bordel. Mais il s'en sort bien au final. Sasha Banks, 100. J'ai réussi à mettre une femme à 100 d'Overness. Voilà, quand même. Quand même. Quand même, hein, parce que le jeu ne s'y prête pas, hein, quand tu, pour, faut galérer, hein, pour, t'as vu ce que j'ai dû faire, j'ai dû la booker de octobre à avril, enfin même à mai, de octobre à mai, j'ai dû la booker gagnante, 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 pour aller jusqu'à 100 Overness, quoi, quand même. Rollins, oh, quel bâtard, tu pouvais pas faire 100, non, 99, pour faire chier, tu pouvais pas faire 100, tant pis, mais bon, Rollins, voilà. Top of the world, sûrement le meilleur catcheur du jeu pour l'instant, puisque c'est celui qui est le plus over et qui a les meilleures stats. Ça, ce sera avant que Wolfgang rejoigne le main roster, hein, parce que Wolfgang, il est énorme. Shelton Shinsuke, il a même pas repris 100, ce qui est logique, mais bon, son moral, c'est toujours une cata. Et c'est tout, et on a Shiempa, qui n'a pas retapé le 100 lui non plus, tu fais chier. Il s'est mis à 99, mais bon, c'est déjà bien. C'est déjà bien, voilà. L'affaire est pliée. Bon, tous les gens contents d'être dans le main event. Bravo à vous. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va faire le Raw et le SmackDown d'après WrestleMania. On va faire le Raw et le SmackDown. On se retrouvera donc au mois de mai. Logiquement, c'est ça, hein. Ai-je bien calculé? Oui, dans tous les cas, de toute façon. Raw, on le fait. SmackDown, on le fait. Et on se retrouve le 1er mai. Parfait. On sera le 1er mai. On pourra voir, donc, bon, bah, ce qui se passera à la fin du mois, déjà. Est-ce que j'ai repris... Ouais, c'est bon. Parce que, alors, saviez-vous, dans le dernier épisode, quand j'avais fait le NXT... pourri, là. J'avais fait un NXT à 46. Et ben, j'avais perdu 3 points de public image. Mon show était tellement désastreux que les gens sont partis. Mais bon, un beau WrestleMania et hop, ça remonte. Voilà. Donc, on va faire Raw, on va faire SmackDown. Oui, on va faire Raw, on va faire SmackDown. On s'occupera de la fin du mois. Et après, on saura qui de Raw ou SmackDown a été le meilleur cette année. Et donc on est parti pour le dernier Raw après WrestleMania, enfin c'est le dernier Raw de la saison 1 tout court. J'ai voulu faire les choses en grand, apparemment ça ne marche pas, puisque Drew McIntyre fait un Open Challenge, et il y a Rainmaker Kazuchika Okada qui arrive, et McIntyre perd de l'Overness, c'est bien, c'est super, et en plus Okada n'en gagne pas. Derrière je fais un match, super, super, c'est bien, c'est nul. Alors, McIntyre Okada, c'est moyen, moyen plus, hein, ça ne match pas entre les deux. McIntyre perd de l'Overness, c'est-à-dire, voilà, j'ai mis McIntyre au top, laisse tomber, maintenant pourri, il a perdu tous ses points d'Overness, enfin, ça m'énerve ça. Enfin bon, Okada gagne de l'Overness de ce match, mais il en perd parce qu'il a une weak gimmick, une gimmick faible. Ah mais oui, en même temps, sa gimmick c'est quoi déjà? C'est quoi? C'est team play, franchise player. Bah ouais, franchise player, ça marche à la NJPW, mais bah, oh là là, fais chier. Oh, c'est le gâchis, victoire de Kada en plus. Enfin, c'est le gâchis. Bon, ok, tout le monde a décidé de me faire chier. Bray Wyatt perd de l'Overness, parce que, voilà. Sasha Banks célèbre sa victoire, on sait bien. Derrière, un petit match. Sasha Banks et Bayley contre Kairi Sane et Neville. Oui, ça n'a aucun sens. Neville l'emporte. Oui, c'est logique. Voilà. Les révoltés donc, font une promo sur No Fear. Voilà, il va marier pour Stardust. Rien se passer, hein. Rollins Owens, parce que je savais que ce serait bon. Voilà. Il n'y a rien à faire, hein. C'est le dernier Raw, machin. Rollins Owens, je me suis dit que les gens aimeraient bien. C'est pas ouf, hein, non plus, mais bon, c'est bien. Adam Cole, Pete Dunne contre Stardust contre Ricochet pour le titre Cruiserweight. Voilà. Je voulais essayer, voir si j'avais raison de mettre Adam Cole contre Pete Dunne. J'ai eu raison. Super.
Voilà, et il va marier promo pour Neville, et nos filles contre les révoltés. Et nos filles récupèrent les titres par équipe, oui, parce que bah, je me suis dit, j'aimerais bien avoir tous mes champions face. Voilà, c'est fait. Tous mes champions sont face. Cherche pas. Et du coup, ça nous fait un Raw honnête, 84, mais je suis dégoûté pour McIntyre. Voilà, j'ai pourri McIntyre, je suis énervé. Rollins n'est pas content de Owens, je m'en fous. Roman Reigns, on s'en fout. Fais voir McIntyre. Bon, il a perdu 3 points d'Overness. C'est pas la mort. Okada. Bon, il est. Ok. Il a perdu des points, il en a gagné. Ce qui fait qu'au final, il en a gagné 1. Il avait 80, il est à 1. Je pense qu'il a dû en gagner 4 et en perdre 3, un truc comme ça. Voilà, franchise player, c'est tellement pas ce qu'il lui faut, donc je vais réfléchir à ce qui va lui aller. En tous les cas, pour moi, c'est terminé. J'ai terminé tous mes Raw. 52 Raw, j'ai fait 52 Raw. Alors, le 52e SmackDown, juste après SmackDown, on pourra terminer le mois. On regardera ce qui se passera pour le dernier mois, etc. Ce sera assez cool, mais surtout, on aura enfin la réponse de qui a gagné le combat entre Raw et SmackDown. J'expliquerai plus en détail comment j'ai calculé, mais d'abord on va faire SmackDown. Et c'est parti pour le dernier SmackDown, même le dernier show ever pour la saison 1. C'est le tout dernier show. Je me suis pas foulé moi hein, par rapport à Raw. Ouais, je n'ai pas fait énorme. Alors, on va Harper Sheamus parce que je sais que ça marche bien. Donc c'est voilà, c'est génial. Lana qui fait une promo pour Rusev et Andrade, puisqu'il va y avoir un match juste après. Très bonne promo de Lana. Lana Carmella, évidemment, évidemment, continue, forcément, c'est ce qui m'a fait tenir hein, jusqu'à WrestleMania, ça. Lana et Carmella, franchement, super. Hein, les angles de diva, c'est génial. 87 n'empêche, paf, paf, paf. Oh, bah, c'est pas. Oh, merde, Kofi Kingston fait la gueule. Bon, c'est pas grave. T'inquiète pas, parce que à la fin de la saison 1, on va faire genre dans l'histoire que je vais donner une prime de fin d'année, genre à tous les catcheurs qui, du coup, tout le sourire va revenir, même Orton qui veut plus catcher, hop, il va faire oh, finalement, je reviens. Voilà, on va faire genre. Donc, la team Bryan Gargano, Kofi Kingston et Jey Uso, c'est les deux seuls du New Day qui me restent. Contre Andrade Rusev et Trevor Lee Andrew Everett, bon, c'est pas ouf, hein, franchement, c'est pas dingue. Voilà. Carmella se fait enlever les fringues par Becky Lynch, oui, super. Allez, Tommaso Ciampa qui célèbre sa victoire, bon, il est monstrueusement over. Allez, Taras, Shayna Baszler qui tape Charlotte Flair, ça marche pas. Allez, c'est bon, elle perd de l'overness. Derrière, le triple threat est pas dingue, j'ai bien fait finalement de faire que Charlotte Asuka. Ok, Shinsuke fait une belle promo. Le Miz fait une belle promo pour Charlotte. Et derrière, un 3 contre 3, Cesaro, Black, Ono contre Ciampa, Nakamura, Samoa Joe. Après, quand tu regardes ça, moi j'ai commencé SmackDown, j'avais Shinsuke Nakamura, Samoa Joe et Cesaro. J'avais ces trois-là. Et je suis venu te greffer trois autres, Black, Ono et Ciampa, que j'ai ramené d'NXT, les trois. Et les trois, j'ai réussi à en faire quelque chose. Du coup, je suis plutôt content de ce que j'ai fait avec eux. Ça nous fait un SmackDown encore moins bon que celui de Raw, et on va passer le mois. On passe le mois, donc, alors, des anniversaires, en veux-tu en voilà, 51 ans pour Kane, waouh. Ouais, Orton 38, Cena 41, Goldust 49, vas-y, vas-y. Charlotte 32, bon. Alors, on fait de l'argent, nanana, bon, des genres signés, ça. Vous en faites pas, de toute façon, il va y avoir une grande valse de signatures, hein, puisqu'on a quand même beaucoup à faire. Dallas, Jimmy Uso, tiens, ouais. Grand Metalik, Samir Sung, Dean Ambrose, ah, tu vois, par exemple, ça, il faut que je signe. Randerton, bon, bah, il va pas vouloir, de toute façon. Alors, qui va se retirer? Steiner, hein. Enzo Amore, enfin revenu de Riyab, merci. Jimmy Uso revient de blessure, Bobby Lashley revient de Riyab, alors. Plus personne à NXT n'est content, s'il n'y a que la Yoroche qui continue de progresser. Ouais, sinon plus personne ne veut rester. La BGPW a annoncé son roster, ok. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Shelton veut Jey Uso, super. Et Zayn veut Ricochet. Faire la BJPW, il y a qui là-bas? C'est laquelle? Big Japan. Encore, ils sont 4. Ils sont 4.
Ok, ouais, bah, le problème c'est du Japon, c'est qu'en fait, t'es censé savoir, il faut que tu te souviennes de il y avait qui avant. Et quand ils annoncent un nouveau roster, ça veut dire qu'ils ont certainement viré des gens, comme par exemple chez New Jap, quand ils ont annoncé leur nouveau, j'ai tout de suite remarqué qu'il n'y avait pas K et A, donc Kazushika Okada, j'ai tout de suite remarqué qu'il n'était plus là, parce que je savais qu'il était là. Là, par exemple, je savais pas qui y avait, donc ça se trouve, il y avait des gens bien, mais je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on va supprimer tout ça. Voilà, je vais aller jeter un petit coup d'œil à la Yorush. Oula, c'est long. Oh putain. Je vais jeter un petit coup d'œil à la Yorush. Qui est le seul encore à progresser. Layo, il a des stats dedans. Ah ouais. Alors, regardez ça. On a la Yorush qui a des stats vraiment énormes. Il a 24 ans, je rappelle. Il est énorme. Regarde ce charisme, regarde ce speed, regarde cette technique. Le mec est fou. Le mec est parfait. Pas encore parfait parce qu'il faudrait monter encore un peu cette brawl et il sera parfait, quoi. Donc Nairush, on a Oni Lorcan, où est-il? Regarde-moi ce Oni Lorcan. Incroyable ce mec. Je le fous contre Ciampa, c'est tout de suite un truc énorme. Et on a le meilleur catcheur ever, limite, Wolfgang. Regarde-moi ses stats, mais c'est pas possible! Ce mec est incroyable. Bon, du coup, c'en est fini pour la saison 1. Regardez-moi ce profit. Je ne sais pas quel argent j'avais au début. Je pourrais aller voir ça, ce serait marrant. Mais je pense avoir fait quand même pas mal de pognon. Quand tu vois le pognon que je ramène par mois. Frère, tellement de pognon. Hop, tiens, ça c'est pour la Connor Skewer. Allez hop, voilà. du coup. On a terminé cette saison 1, hein, mais il reste à savoir qui de Raw SmackDown a gagné la guerre. Eh oui, c'est moi, c'est Monday Night Raw qui a gagné cette guerre. Des ratings de guerre entre Raw et SmackDown, c'est moi qui l'ai gagné, c'est Raw, c'est Monday Night Raw. Alors, comment j'ai procédé pour le calcul? Je vais tout simplement vous montrer bah, les calculs que j'ai fait. Patatototo. Alors, regardez, je sais pas si vous allez tout voir, oui, si. Voilà, alors, tout en haut, vous voyez, ici, hein, vous voyez, ici, ça c'est le nombre de shows que j'ai fait. Alors, je vais pas compter le dernier show après Mania, mais ça n'a rien changé. 51 shows, et donc ça c'est le total des ratings, enfin des l'overall rating, c'est-à-dire ça. Voilà, ça. J'ai compté l'overall rating de chacun des Raw que j'ai fait, et des SmackDown aussi, et je les ai tous additionnés et divisés par 51, donc le nombre de shows, pour donner la moyenne de 82,4, 82%, c'est quand même énorme pour un show, c'est quand même une très très bonne moyenne. Ça, je reviendrai après. Pour SmackDown, donc c'est un peu moins, ça fait une moyenne de 79, ce qui fait que déjà que la qualité des shows était meilleure à Raw. Alors, c'est vrai que SmackDown a eu un gros passage à vide, notamment parce que AJ Styles a pris sa retraite, c'était un gros coup, évidemment, et puis après, foutre Big Cass champion du monde, c'était peut-être pas la bonne idée. Du coup, SmackDown s'est un peu perdu, et faut dire aussi que Raw avait le titre Cruiserweight, ce qui a quand même vachement aidé. Puisque Neville a pu grandir grâce à ça, donc c'est sûr que c'est un peu aidé. Ici sont les résultats, vous voyez, je vous prends un pay-per-view au pif, dans cette manière. Voilà. J'ai compté en fait les ratings pour chacun des matchs selon le roster. Voilà. Par exemple, ça c'est un match de SmackDown, j'ai additionné ça avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là. Tu fais une moyenne et tu regardes qui a fait le meilleur score. Et bien sur 8 pay-per-view, je vais pas compter les séries parce que c'était Raw contre SmackDown, ça compte pas. Sur 8 pay-per-view, non, sur 10 pay-per-view, Raw en a gagné 8 et SmackDown en a gagné 2. C'est pas énorme. Cependant, si on regarde là le dernier chiffre, ça c'est le total des ratings. Alors les ratings, vous avez vu que je les ai tous gardés, il y en a 116. Je les ai tous gardés, les ratings. Alors il y en a 116 parce qu'il y a aussi les pay-per-view, voilà. Les ratings, par exemple, Raw a fait un 6,78, SmackDown aussi, bon voilà. Le problème, c'est que les ratings ne sont pas une science exacte, en fait, puisque le rating influe pas seulement à la qualité du show, il influe également à la qualité des autres shows. Par exemple, je fais un Raw dégueulasse, un Raw nul, un Raw pourri, et ben les gens
qui regardent la télé ne vont pas regarder le SmackDown qui suit, parce que c'était pourri le Raw d'avant, donc le SmackDown qui suit va être naze aussi. Peu importe s'il était bon ou pas. Par contre, si je fais un Raw super, ben le rating de... Vous voyez, par exemple, quelquefois, alors je sais pas si je vais en trouver là, mais quelquefois, on voit que Raw et SmackDown font à peu près la même recette, enfin, le même rating. Alors, ça change de temps en temps, bien sûr. Des fois, ça... forcément, la qualité du show, elle joue aussi. Hein. Si tu fais un show pourri, les gens vont pas rester. C'est pour ça que des fois, que j'ai fait des 6-0-4, comme vous pouvez le voir, voilà. J'ai fait un rating de Raw 6-37, c'est pas dingue. Et j'ai fait un SmackDown encore plus pourri, du coup, 6-4, tu vois. Voilà. C'est pour ça que c'est pas une science très... forcément exacte, la guerre des ratings. Parce que... Voilà, Raw a fait 7, SmackDown 6-78, puis Raw refait 7, tu vois. C'est pas très logique. Donc finalement, j'avais calculé tout ça, et au final, celui qui a le meilleur ratings, bon, à très peu de choses près, hein, vous voyez, 338 pour SmackDown, 335 pour Raw, ça fait que SmackDown a eu des meilleurs ratings, légèrement, a eu des légers meilleurs ratings que Raw sur le total de l'année, mais bon, si tu fais le total de tous ces calculs, Raw l'emporte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on va faire la petite preview de la saison 2. Tout d'abord, merci d'avoir regardé la saison 1, c'était super. On va partir donc pour une saison 2. Alors, on était sur deux rosters, Raw contre SmackDown. On va passer une totale refonte. On va passer donc à 5 shows. 5 shows par semaine, lundi Raw, mardi SmackDown, mercredi NXT, le jeudi 205 Live et le vendredi Evolution. Alors, Evolution sera un show 100% féminin. Du coup, c'est pour voir en fait... Déjà, ça m'évitera de me faire chier à faire une division féminine dans chacun des rosters, puisque les filles, t'es obligé de les faire grandir qu'avec les filles, parce que les mecs refusent de perdre contre les filles, donc c'est chiant. On sera au Mexique, j'aurais pu faire mix totalement, mais dans ce jeu, on peut pas. C'est-à-dire que si je dis, tiens, Neville perd contre Sasha Banks, il va faire la gueule si je le force à le faire, donc on peut pas. Donc, faire un chausson pour son féminin, déjà, c'est pas mal. En plus, il y a de quoi faire, parce que, voilà, déjà rien qu'avec celle que j'ai mis over, Sasha, Asuka, Charlotte... Shayna Baszler, même Kairi Sane, Becky Lynch qui sont à des niveaux, même Bayley. Voilà, il y a quand même quoi faire, on pourra faire grandir des autres. Bon. À 205 Live, je pense que je mettrai que des Cruiserweight, ce qui est logique. Mais bon, les Cruiserweight, il y en a des très bons, hein. Rollins, Neville, pour ne citer que, hein. Ziggler, Zayn, enfin bref, il y en a plein. Après, NXT, SmackDown et Raw seront des shows tout à fait. Lambda, c'est-à-dire il y aura tout dedans, sauf des femmes, parce que les femmes seront toutes à Evolution, mais il y aura des shows tout à fait lambda. Alors, 5, donc 5, 5 rosters. Donc, dans le premier épisode de la saison 2, il y aura une grande draft. Une grande draft. Combien j'ai de catchers actuellement? J'en ai 149. Alors, il va y avoir un gros boulot pour moi, bon, je ne le fais pas à l'antenne évidemment, mais où je vais devoir refaire, déjà, je vais devoir retravailler certaines stats, comme je vous l'ai dit, à maintes reprises, Ronda Rousey, elle n'a pas 70 de charisme, elle a plus, donc il va falloir que je refasse les stats. Et aussi, il va falloir que je mette à jour tous les contrats, que je réengage plein de monde qui est parti pendant l'année, parce que pendant toute l'année, moi j'avais en vision, bon, je fais EWR qu'un an, enfin en tout cas à la WWE, j'avais prévu, bon, je fais un an, à bout d'un an, c'est terminé, je me remballe. Sauf que là, j'ai prévu de continuer, donc tous ceux que j'ai laissés partir, ben, je vais les reprendre. Regardez, je vous donne un exemple, regardez Jack Gallagher. Le mec, je l'ai laissé se barrer parce qu'il ne me servait à rien. Il devait avoir 50 d'overness à peu près. Là, il est monté à 73. Il a vraiment des stats pas... C'est pas dingue, mais son petit 78 de technique est pas dégueu. Et son 80 de charisme, c'est pas mal. Donc voilà, ce sont des gens que je vais essayer de... ramener. Je vais aussi faire une grande razzia dans l'indie. Voilà. Par exemple, dans l'indie, Hulk Hogan, non, je ne vais pas le ramener. Hein. Non, je rigole. Bon, je sais pas, Icarus. Oh, il avait des meilleures stats avant. Hein. Enfin bon. Oh, Yo, Tanabe, d'accord. Voilà. Par exemple, Tanahashi. Peut-être faire une petite razzia sur la NJPW. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais donc, il y aura une grande draft. Alors, Hiro des Planètes Pirata Morgan. Ouais, bah, par exemple. Par exemple, lui, il va aussi falloir que je recrute des gens pour aller à NXT. Parce que, enfin, alors, NXT. Je vais le changer de nom, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Regardez, je vais l'appeler Training Camp. Non, c'est pas ça, c'est Développement Territory. Rename. Il s'appelle plus NXT, il s'appelle Performance Center. Paf. Voilà.
Parce que NXT va devenir un show à part entière. Voyez, Raw, SmackDown, NXT, 205 Live. Je peux pas remettre un cinquième, mais du coup, ce sera pratique. C'est-à-dire, je rangerai juste les catégories par genre, hein. Femme, et hop, comme ça, j'aurai tout le roster d'Evolution. Voilà. Du coup, on partira là-dessus. Et donc, le premier épisode, enfin, l'épisode 0, hein, comme j'ai fait l'épisode 0 au début de la saison, hein, sera uniquement donc, composé de la draft. La draft, donc, qui sera donc pas une. Il y aura, en fait, deux parties, c'est-à-dire, première partie, on sera au. Comment dire? On fait. Vous rappelez de la draft en 2016, ben voilà, c'est pareil, chacun son pupitre, hein, où je dis, moi je veux lui, moi je veux lui, moi je veux lui, moi je veux lui, voilà, ainsi de suite, chacun son tour. Tous les 5 choix, on fera une draft aléatoire, où il y aura un mec qui sera drafté au pif dans chacun des trucs. Évidemment, Evolution ne sera pas dans la draft, pour des raisons logiques, hein, puisque. Les autres shows ne draftent pas de femmes, donc toutes les femmes iront à Evolution, c'est logique. Quoi qu'il en soit, je vais donc mettre tout ça à jour, ça risque de prendre un peu de temps, mais on verra, donc j'annoncerai peut-être, je ferai peut-être un teaser pour la saison 2 pour vous prévenir de quand ça commencera. En attendant, moi je vous dis à tous, merci d'avoir regardé cette saison 1 d'Extreme Warfare Revenge, du coup je lance la saison 2. J'espère qu'elle vous plaira, parce qu'elle va être encore plus folle, encore plus grande. Hein. D'ailleurs, je voyais déjà les choses en grand pour là, mais là, on va très loin. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la saison 2, du coup, ce serait con. Qui sortira en 2019, logiquement. Puisqu'en même temps, cette vidéo sort déjà en 2019. On est le 2 janvier, je crois. Parce que je tourne un peu à l'avance. Et du coup, mettez un j'aime si vous aimez cette vidéo, cette dernière vidéo. Grandissante, ça veut rien dire. Et je vous dis à tous, rendez-vous en janvier pour la saison 2. Et d'ici là, portez-vous bien.